Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Alors, je sais que euh, apparemment, il y en a plein qui ne le savent pas, mais j'ai une chaîne de vlog qui est en description ou euh, sur euh, vous allez juste sur le ma chaîne sur mon profil YouTube et j'ai aussi une chaîne gaming. N'hésitez pas à aller vous abonner parce que je vais commencer à nourrir de plus en plus euh, ces chaînes-là, surtout la chaîne vlog en particulier parce que je serai à Prague <laughs> dans quelques jours. Donc bref, en ce qui concerne la vidéo euh, la plus récente que j'avais faite, j'ai dû l'effacer parce que la personne qui était euh, le gars qui était dans la dans la en question, c'est à dire le gars qui mettait feu à la voiture là. Cette personne m'a contacté pour me dire c'était elle, pour m'expliquer qu'en fait c'était pas son ex. bla. Il m'a un petit peu raconté l'histoire vite fait. Il m'a demandé si je pouvais enlever la vidéo et euh, j'ai pas voulu commencer à jouer au ping-pong avec la personne donc euh, voilà. J'ai enlevé la vidéo donc si les gens pour ceux qui se demandent où est cette vidéo, je l'ai enlevé par respect pour la personne. Que ça soit vrai ou pas, je veux pas rentrer dans des trucs bizarres, d'accord. Même si euh, j'ai pu voir la vidéo à 15 000 endroits sur YouTube. Oh merde! Oh Oh, c'est con ça. C'est pas grave, on s'en fout, on passe à autre chose. Alors, euh, je voudrais revenir sur le message d'un jeune homme qui m'avait écrit sur Instagram. Il m'avait demandé, euh, ouais, même pas qu'il m'avait demandé, il m'exprimait le le fait que c'était vraiment difficile pour lui en tant que en tant que jeune homme en fait, au niveau des femmes, etc. Il, il y a pas beaucoup de femmes qui le voient. Il a l'air d'être invisible. Je lui ai répondu, mais je vais encore, je vais essayer de de mieux le faire parce que sur Instagram c'est pas évident. C'est pour ça aussi je dis aux gens de venir euh, sur euh, Discord, ce serait beaucoup plus facile pour euh, pour échanger. L'avantage d'être un homme, c'est que ta vie, notre vie en tant qu'homme, dépend intégralement de nous-mêmes en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'il y a un moment, si tu te donnes la motivation, si tu te donnes la, le, le, la force d'avancer, de vouloir changer ta vie, prendre ta vie en main, tu vas y arriver. Il y a beaucoup d'études, et je vais vous en partager une euh, tout à l'heure, il y a beaucoup d'études qui montrent que les hommes travailleurs, je précise, les hommes travailleurs sont de plus en plus nombreux lorsqu'ils vieillissent. Quand tu es jeune, tu es banal. La majorité du temps, tu es banal, tu, tu, tu vas ramer en fait, on te voit pas. En ce qui concerne la génétique, c'est c'est pas forcément c'est pas quelque chose qu'on choisit j'allais dire forcément mais c'est pas quelque chose que tu choisis en fait tu sors du, du ventre de maman et puis ah bon bah, bah voilà c'est tu là avec les cartes que que la vie t'a donné en fait que c'est comme ça je sais que c'est ça peut être compliqué ça peut être difficile parce que vous allez regarder sur les réseaux sociaux vous allez regarder autour de vous vous allez voir une ou deux personnes en particulier les réseaux sociaux vont vous faire croire que tous les hommes gèrent comme les, les, la vidéo sur les extincts pour reprendre leur leur expression vous allez penser que tous les gars en fait soulèvent tout Paname comme elle disait mais en fait non, c'est pas comme ça. Vous connaissez la loi de, de, de Pareto, 20%, 80%, on va pas revenir là-dessus. Quand t'es jeune, souvent tu seras peut-être timide, peut-être que physiquement c'est pas ça le top. C'est, voilà. Oh, je veux dire, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est la réalité. La majorité des femmes ne, ne vont pas te voir. Mais ce n'est pas, pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde parce que tout le monde a son heure de gloire. Tout le monde a son moment de gloire. Exactement. Donc prenez soin de vous. L'apparence est très très importante. Oui, bien sûr, les gens qui ont un beau physique auront toujours un. Un, un, un avantage par rapport euh, aux autres, mais il y a quand même, il y a toujours moyen de compenser en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est génial sur dans cette vie sur cette euh, terre. Vois ce que je veux dire. Il y a toujours moyen de compenser. Prenez soin de vous, que ça soit physiquement, émotionnellement euh, et surtout financièrement. Ça c'est très très important en fait. Si tu t'es un mec banal euh, physiquement, les femmes vont pas être spécialement attirées par toi. Mais moi je veux faire l'amour. À mon jeune euh, ami euh, qui m'a écrit, arrête de courir après les femmes qui, surtout, euh, arrête de courir après les femmes tout court, mais encore plus les femmes qui ne veulent pas de toi en fait. Choisis des objectifs à poursuivre, ok, des objectifs personnels. En gros, en fait, pour faire plus simple, construis ta vie dans tous les domaines. Voilà, c'est ça, c'est ça le, le truc qu'il faut retenir. Oui. Donc là, je vais revenir sur, euh, je vais revenir sur euh, cette étude là. Voilà, c'est écrit. Bon, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé la traduction en français pour ceux que ceux qui sont déjà en sueur. Les femmes finissent moins heureuses que les hommes. Donc voilà, on a allé sur Google Traduction qui qui fait de bonnes traductions quand même euh, par rapport à avant, d'accord. Donc les femmes finissent moins heureuses que les hommes, moins capables d'atteindre leur, leurs objectifs de vie. Les femmes finissent plus malheureuses que les hommes plus tard dans la vie, même si elles commencent plus heureuses. Elles commencent plus heureuses parce que voilà, euh, elles ont une valeur entre leurs jambes. Hein, on va pas, on va utiliser les vrais termes. bien renseigné toi. Donc du coup, beaucoup d'hommes, voilà, y a beaucoup d'hommes qui euh, qui euh, qui vont leur courir après, leur donner de l'attention, de la validation, etc. Etc. Révèle une, une nouvelle recherche de voilà une université de Cambridge Californie voilà, on ils sont les couilles euh, l'étude est la première à utiliser des données représentatives au niveau national couvrant plusieurs décennies pour examiner le rôle des désirs non satisfaits dans le sentiment de bien-être d'une personne donc comme l'explique les chercheurs les attentes de réussite peuvent varier parmi les personnes élevées dans différentes générations c'est-à-dire par exemple euh, dépression économique les ensembles de données provenant d'une plage de période peuvent également j'ai tellement le réflexe de lire les trucs en anglais et c'est n'importe quoi, quoi. Peuvent également avoir des compositions démographiques différentes. Dans leur analyse, les chercheurs contrôlent la cohorte de naissance et les caractéristiques telles que la race, l'éducation. Ils constatent que les femmes sont en moyenne plus heureuses que les hommes au début de l'âge adulte. Donc, j'ai pas besoin, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi. Hein. elles sont jeunes, elles sont fraîches, elles sont belles. Le, le monde, le monde leur sourit. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça pour toutes les femmes ou que toutes les femmes, que euh, les femmes ne connaissent pas de galères. Bien sûr, elles connaissent des galères aussi. Mais euh, le monde dans lequel on vit actuellement, vous savez, c'est un Monde qui est assez gynocentré, qui tourne autour des besoins de la femme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour elle. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre, nous sommes ici pour parler de faits, de choses qui sont factuelles, hein. Ça, c'est pas ce truc-là, je l'ai sorti sur, il est, voilà, tu c'est médical C'est pas journal express.com, quoi. Et je l'ai pas inventé ce site avant de faire la vidéo. Donc, je constate que les femmes sont moyennes plus heureuses que les hommes au début de l'âge adulte, mais la lueur s'estompe avec le temps. Plus précisément, après 48 ans, le bonheur global des hommes dé dépasse celui des femmes. Ces modèles de bonheur global selon le sexe corrélation avec les modèles des deux aspects importants de la satisfaction de vivre. La famille et les finances. La famille et les finances. Aujourd'hui, il y a des meufs. <laughs> il y a beaucoup de meufs quand tu vas leur parler de famille, en fait... Euh, ah, tu es, es déjà macho, en fait. t'es es déjà mi-jousine. Mijo pardon. Tu es archaïque. Tu parles de famille. Hein. Tu parles de... Ah oui, moi j'aimerais bien avoir des enfants. Oh là là, mais putain, c'est quoi ce genre d'homme C'est... <laughs> C'est pour montrer à quel point, c'est pour montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, tu vois. C'est tellement ridicule. Moi, j'ai dit, hein, l'ai dit plusieurs fois. Moi, je m'assois et je consomme, je mange mes pop corns Je regarde la maison prendre feu et je mange mes, mes pop corns J'assiste euh, au spectacle. Ceux qui sont en train de dire, ouais, non, Dieu il faut rester là pour pouvoir se battre. Euh, je serai sur des plages euh, quelque part, euh, soit à Bijan, à Bassam, ou euh, euh, sur une plage en Colombie avec jeune Rosa Maria, d'accord, qui, euh, qui qui va qui va bien prendre soin de moi. Je donne des exemples. Hein, après, ça peut être d'autres pays. Hein, comment ça même pas de venir me casser. Et bon, pendant que moi je suis en train de faire ça, pendant que toi tu es en train de faire la guerre, envoie-moi des selfies de, de la guerre, hein, de ta gueule avec plein de sang pour te battre pour des gens qui sont battent les couilles de toi. Et puis à ce moment-là. Euh force à toi, gros, force à toi. Comme l'explique euh, Plagnol, plus tard dans la vie, ce sont les hommes qui se rapprochent de la réalisation de leurs aspirations, sont plus satisfaits de leur vie familiale et de leur situation financière et sont les plus heureux des deux. Les femmes et les hommes ont des objectifs de vie assez similaires en matière d'amour. Neuf <laughs> personnes sur 10 des deux sexes atteignent la vie adulte en voulant un mariage heureux. Oh, donc ça veut dire, attends, ça veut dire que même nos, nos, nos amis, euh, les... je reprends toujours leur, leur terme, nos amis les extinctent. Donc ça veut dire que elle aussi, à partir d'un certain ils vont vouloir un mariage heureux. Oh merde Ben voyons <laughs> <laughs> tiens, tiens, tiens. Bref, les différences entre les hommes et les femmes dans les aspirations au mariage et aux enfants sont assez faibles. Les différences de satisfaction entre les sexes dépendent en grande partie de la réussite. La période la plus triste de la vie d'un homme moyen sont ses 20 ans, donc dans sa vingtaine. Et aussi la période où il est le plus susceptible des célibataires. Ça revient à ce que j'étais en train de dire avant, en fait. C'est que à ce moment-là, c'est, on te voit pas. Même si à un moment, voilà, t'es avec une meuf, elle te kiffe ou kiffe, etc., il y aura un moment où euh, vous allez plus voir les choses de la même façon parce qu'elle elle va vouloir quelque d'un peu plus mature quand tu as 20 ans tu n'es pas forcément l'être humain l'homme la personne la plus mature sur terre tu as encore chez tes parents tu n'as pas, pas encore de revenus finan revenu financiers etc tu vois c'est normal c'est normal il ne faut pas euh il faut pas avoir peur. Donc euh, ça, ça sert à rien, il ne faut pas, faut pas stresser. C'est ça que je veux vous faire comprendre, il ne faut pas stresser en fait. Les hommes deviennent également plus satisfaits de leur situation financière au fil du temps, parce qu'il euh, y a un moment où euh, tu, tu travailles, donc euh, ceux qui travaillent, ils seront un peu plus satisfaits. Comme en témoigne leur pouvoir d'achat accru. Une exception notable, les femmes veulent plus de beaux vêtements que les hommes. On découvert les chercheurs. Intéressant, tiens, tiens, tiens. Ces résultats sont cohérents avec une étude antérieure montrant que les générations récentes sont moins satisfaites que les générations précédentes. Bien qu'elles en aient plus. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, tu sais quoi Rien que pour la peine, je vais relire ça. Si vous n'avez pas encore liké ma vidéo, faites-le là. Parce que là, on est dans du lourd. Je vous ai dit, on est dans des trucs factuels, des de, ah, émotions, oui, mais tu sais. Non, monsieur, c'est écrit. Mesdames et messieurs, c'est écrit. Ces résultats sont cohérents avec une étude antérieure montrant que les générations récentes sont moins satisfaites que les générations précédentes. Bien qu'elles en aient plus. Qu'est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui Qu'est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui Est-ce que vous, vous considérez être beaucoup plus heureux que vos parents peut-être pas ou parents parce que les parents aussi, y en a, y en a, ils ont fait des dingueries oui. que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ou etc. Je vais parler de ma situation pour, pour que ça soit un peu plus parlant. Donc j'avais parlé de ça dans, dans mon dernier live que j'ai dû mettre en privé, enfin pas en privé, j'ai dû réserver au monde pour pas avoir une équipe de gros gros youtubeurs ou d'équipe de marketing qui allait me tomber sur le dos. J'avais utilisé l'exemple d'une fille que je fréquentais à un moment qui, à qui j'avais demandé une fois de, de me faire un tiramisu. Pourquoi je lui ai demandé le tiramisu Parce que un, j'adore les tiramisu deux parce qu'elle savait en faire. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle a marqué. J'avais les copies de page écran, gros. Donc j'inventais rien, en fait. Tu vois, ça sortait pas de nulle part. Et elle m'a sorti quoi Elle m'a dit Non, mais qu'est-ce que tu racontes euh, Moi, je veux pas te faire à manger et tout. Euh, tu peux te le faire tout seul. Bon, je sais pas le faire déjà. Ah tu peux te le faire tout seul. Euh, je suis pas une esclave. Cette phrase-là, elle est hyper importante. Aujourd'hui, tu peux vivre sous le même toit avec une femme. Tu peux vivre sous le même toit qu'une femme. Si toi, tu vas bosser, tu vas faire plein de trucs. T'es en train de gérer, je sais pas quoi, en train de te casser la tête avec euh, ton entreprise, avec tes collègues. Partons du principe que elle, elle, soit elle ne fait rien ou elle n'a pas grand-chose à faire, d'accord Je suis pas en train de dire que c'est une, euh, elle est là, c'est une euh, serpillère, elle ne fout rien de sa vie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais disons qu'elle a, elle a beaucoup plus de temps libre. Si tu lui demandes de nettoyer, de faire genre le, le la, j'allais dire nettoyer le sol, ouais, si vous voulez nettoyer le sol, faire euh, le ménage, elle va te dire que tu la vois comme une esclave. Elle vit au même endroit. Hein, j'ai précisé, j'ai pas choisi cet exemple au hasard. Elle vit au même endroit que que toi. Vous êtes sous le même toit et pour elle faire la vaisselle, la lessive ou le ménage, c'est la voir comme une esclave. Donc en gros, en fait, elle est en train de, de, de Insulter les femmes qui aiment faire ça ou plutôt les femmes qui euh, à qui euh, ça ne pose pas de problème de le faire donc ça c'est hein, vous votre endroit là de ici hein. Monsieur, euh... <laughs> donc cette fille là je lui avais demandé de me faire un tiramisu bla bla elle m'avait envoyé bouler mais, mais cette même meuf voulait qu'on sorte ensemble nous en avons beaucoup plus, mais sommes-nous beaucoup plus heureux euh, Ça, c'est la question à 10 000 euros. <laughs> c'est un prix beaucoup plus élevé. Essayez de répondre à cette question. J'attends vos avis dans les commentaires. Donc, on continue. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être marié pour être heureux. C'est Mais si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, et c'est le cas pour la plupart des gens, hmm, intéressant ça. Alors, le fait de ne pas l'atteindre peut avoir un impact sur votre bonheur général. Oh, mais tiens, ça me fait penser à une vidéo avec les deux jeunes belles femmes noires là qui étaient en train de dire, est-ce que le fait de ne pas être marié ou d'avoir un enfant à 30 ans est dramatique voilà, là on a un petit, euh, on, a, on a, quelque chose, on a une piste là. Ajoutant que, que les personnes en couple ont également tendance à être dans une situation financière plus solide que celles qui doivent dépendre uni, uniquement de leurs propres ressources. C'est vrai que à partir d'un certain moment, être à deux financièrement sera beaucoup plus intéressant parce que voilà, il y a deux salaires, il y a deux entrées d'argent, etc. De ce point de vue-là, ok. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se mettre avec quelqu'un juste pour se mettre avec quelqu'un. Ça, <laughs> ça, ça, ne, ça va toujours faire aucun sens. Quelques étapes d'âge, 41 ans, âge auquel la satisfaction financière des hommes dépasse la satisfaction financière des femmes. 48 ans âge auquel le bonheur global des hommes dépasse le bonheur global des femmes. 64 ans âge auquel la satisfaction des hommes à l'égard de la vie de, de famille dépasse la satisfaction des femmes. Bref, tout ça pour dire quoi À la base, je voulais juste répondre, <laughs> je voulais juste répondre à quelqu'un. Mon jeune ami, mon jeune soldat, mes jeunes amis, mes jeunes, jeunes soldats, restez tranquille les choses vont bien se passer. Travailler, travailler. La beauté, la vraie beauté d'un homme, c'est le travail. Ça, c'est ce qu'on dit en tout cas chez moi, et j'y crois. Et aujourd'hui, même moi, je me rends compte, euh, je, je suis un gueux, euh, je ressemble à R. Mais mais euh, je suis beaucoup plus beau qu'avant, si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez compris ce que je veux dire. <laughs> je, les gens disent, Durno, qu'est-ce que tu Raconte hein? avec ta grosse tête, là. Mais en gros, voilà, c'est ça en fait. Travailler, c'est la vie en fait. C'est la vie, la vie est comme ça. Est... Souvent, vous allez trouver ça injuste. Souvent, vous allez trouver juste. La vie s'en fout de ça. La nature s'en fout de ça. La nature fait ce qu'elle a à faire. Exactement. Toi, c'est à toi d'avoir de, de l'influence. Ce sur quoi tu peux avoir de l'influence. Le reste, euh, le reste euh, tranquille. Tranquille, ne te prends pas la tête par rapport à ça. Et euh, fais ce que t'as à faire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne euh, gaming et ma chaîne vlog. Continuez à m'envoyer des messages euh, du contenu sur Instagram. Venez sur Discord. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Passez une très très bonne journée. Et comme d'habitude, restons sur nos gardes. Je ah, ne faut pas avoir peur.